Bonjour et bienvenue à tous dans le lancement de cette nouvelle saison, donc la troisième saison des évasions digitales de la Drôme Tourisme. Avec nos partenaires, nous vous avons concocté un programme riche, comprenant un volet toujours sur le numérique, avec dès la semaine prochaine la base de données touristique Apidae. Ensuite, nous aurons un sujet sur Wikipédia dans le tourisme, quelles opportunités pour valoriser son territoire et son offre, avec aussi le rôle de la voix sur le web dans le tourisme, et enfin, comment proposer des résultats enrichis sur Google pour enrichir les recherches et pour les touristes et les internautes. Nous aurons aussi d'autres sujets comme le tourisme durable avec les éco-gestes ou encore l'étiquette environnementale appliquée aux structures touristiques. L'Observatoire du tourisme, quelles sont les données qui sont à votre disposition et comment les utiliser? Et enfin, comment transformer un produit, une activité, une visite en une expérience touristique mémorable? Retrouvez tout ce programme sur notre page dédiée dans l'espace pro du site www.ladromtourisme.com ainsi que sur le groupe Facebook La Drôme Tourisme pour les professionnels. Il sera mis à jour régulièrement au fur et à mesure de l'avancée de ces webinaires et des programmations. Sans plus attendre, je vais donner la parole à notre partenaire Le Moulin Digital avec Xavier Masclot et Jean-Philippe Falavel qui vont aujourd'hui vous présenter l'outil podcast et son application dans le tourisme. Voilà, ce sera une première présentation en vue d'une formation qui devrait être proposée par Trajectoire Tourisme au premier trimestre 2022. Je vous laisse la parole et je vous souhaite un très bon webinaire. Vous utilisez, est-ce que vous en créez? Il n'y avait pas le son, ok. Alors bonjour à tous, apparemment on recommence parce qu'on Voilà. a eu un petit bug technique. Donc on recommence la présentation. Voilà. On est Le ravis thème des de... podcasts aujourd'hui. Voilà, le thème des Ouais. podcasts aujourd'hui, c'est un sujet qui est un petit peu tendance et on vous propose de passer une heure ensemble à échanger sur cette thématique-là. Vous avez sur YouTube accès à un chat, c'est ce qu'on vous expliquait jusqu'à présent. Ce chat vous sert à la fois à poser des questions, à nous poser des questions, nous interpeller, mais aussi à nous dire comment vous utilisez les podcasts, est-ce que vous en écoutez, sur quel lecteur vous le faites, sur quelle plateforme vous le faites, est-ce que vous en créez, pourquoi pas, est-ce que vous en avez déjà créé. Ce qui nous intéresse, c'est un échange aussi avec vous sur ce chat YouTube. Voilà, on a un écran qui nous permet de voir le chat, donc on sera ravis de prendre vos questions en direct. Alors, Le Moulin Digital qui donc travaille avec la Drôme Tourisme sur ses sessions évasion digitale, pardon. On est une association, on est basé à Valence et on intervient dans l'accompagnement de votre transition numérique. On le fait de façon différente, hein, avec différentes formes. La première, c'est le volet découverte. Et par exemple, on a tous les mois une proposition de ce qu'on appelle des cafés-outils, que d'ailleurs on va relancer en présentiel. Hein. On relance un mix, à la fois YouTube, à la fois en présence. Si vous voulez venir boire un café, le mot café-outils redevient vrai. Et on va pouvoir se rencontrer parce que les évasions digitales aussi, il me semble qu'on a fait que du online, donc C'est ça nous ça. ferait plaisir de vous voir aussi directement au Moulin. C'est ça. Et si vous êtes en recrutement aujourd'hui, et si vous cherchez des candidats, peut-être que la candidature vidéo devient un sujet intéressant à creuser pour vous. Et donc, on va aborder en une heure ce sujet de la candidature des CV vidéo, en gros, hein,
et comment un candidat peut se présenter en vidéo et comment vous pourriez vous l'utiliser dans votre activité. Deuxième modalité, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est pour faire un projet numérique, pour mettre en œuvre un projet numérique. Et pour cela, on a un petit programme qui s'appelle Atout numérique, qui est un programme de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un programme gratuit qui est proposé pour vous, entreprise du territoire de la Drôme. Les associations sont également éligibles, Exactement. pas les collectivités Local. territoriales, mais les associations ou même dans le tourisme, les EPIC. Oui. Les EPIC sont également éligibles puisque j'avais accompagné un noté dans ce cadre. Voilà, et puis troisième modalité, c'est vous accompagner sur des projets plus innovants. Et à ce titre-là, on a une soirée ce soir. Donc c'est encore possible, si vous voulez nous rejoindre, on a une soirée ce soir pour présenter un petit peu tout ce que la French Tech in the Alps peut proposer aux acteurs du territoire sur des projets innovants ou des startups en lien avec le tourisme, C'est pardon. ça, ça s'adresse en priorité à des créateurs d'activités en lien avec le numérique. Mais on se rend compte que les créateurs d'activités en lien avec le numérique, ce n'est pas uniquement quelques entreprises, ça C'est représente large. pas mal de monde. C'est Et large. donc du coup, on serait ravis de vous rencontrer ce soir également. Dernière modalité, c'est le travail. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comment le numérique impacte aussi les nouveaux modes de travail. Donc, à ce titre-là, ben, Marie, qui est chez nous, anime un réseau qui s'appelle CDI. Et actualité, ben, demain, elle organise un CDI Tour qui passe par des établissements, enfin des Des lieux de lieux. travail, des lieux de travail coworking à Die. Je crois qu'il y en a plusieurs Il d'ailleurs. y en a plusieurs, il y en a trois au minimum. Et du coup, ben, l'idée, c'est de les présenter, de les visiter et de aller à leur rencontre. Voilà. Alors, on va aborder du coup le sujet des podcasts. D'abord en tendance et en chiffres. Parce que si on aborde ce sujet-là, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on sent bien qu'il y a une vraie tendance à l'usage, à l'utilisation des podcasts. Aujourd'hui, enfin, au premier trimestre 2019, ce qui a changé déjà, hein, les chiffres ont dû augmenter fortement. Mais c'est les derniers chiffres. Un quart des Français qui ont accès à Internet, donc la majorité quand même, Oui. donc un quart des Français écoutent des podcasts. Donc ça veut dire que parmi vous, ben, 1 sur 4 a déjà écouté des podcasts, et sûrement même régulièrement, puisque les chiffres de 2020 montrent que celui qui écoute des podcasts l'écoute fréquemment, 4 fois par mois, donc une fois par semaine. Donc 4 podcasts par mois, ça représente selon les formats, mais c'est déjà un usage qui est soutenu, Qui est qui est pas conséquent. négligeable, ouais. En termes de volume de podcasts écoutés, ben, on est sur des croissances fortes. Le chiffre n'a jamais été aussi fort en 2021. En mai 2021, puisqu'il y a eu 118 millions de podcasts qui ont été écoutés par les Français. Et autre chiffre, la plateforme Spotify annonce des chiffres de plus de 100% d'écoute de podcasts sur sa plateforme entre 2019 et 2020. Bref, tout ça montre que c'est une tendance lourde, une tendance forte. Alors après, si on compare et si on sort un peu de la France et qu'on regarde d'autres pays, on n'est pas forcément ceux qui écoutent le plus de podcasts. La Corée du Sud, 53% de la population écoute des podcasts. L'Espagne, 39%. Enfin bref, ça montre que c'est pas une tendance purement française. Et les Américains, évidemment, utilisent beaucoup. Mais on est en train de. Alors, je sais pas si c'est rattraper le retard, en tout cas, de suivre la Oui. tendance. Alors, hop. Alors justement, si cette tendance existe, ça s'est accéléré depuis 2019. Hein, les chiffres montrent que depuis 2019, ça s'est accéléré. Il y a deux éléments, surtout le deuxième, il y a deux éléments qui vont jouer. Les supports d'écoute se diversifient. Un casque, des écouteurs, des enceintes connectées. Bref, le support audio devient un élément très très diffusé aujourd'hui, que ce soit par les Amazon Echo, par les Google Home, par toutes ces enceintes connectées. C'est facile d'écouter des podcasts Je dans sa rajouterai aussi cuisine. les casques audio de téléphone qui sont aussi démocratisés, qui sont montés en qualité. Aujourd'hui, vous avez une qualité d'écoute sur des casques, notamment Bluetooth, qui est très bonne, qui vous permet aussi de vous isoler un petit peu de l'extérieur. Il y a des casques à réduction de bruit, etc. Donc ça vous donne une qualité d'écoute qui est plus importante. Ça marche pour la musique avec les Spotify et consorts, mais ça marche aussi pour les podcasts. Et finalement, tout ça bénéficie un petit peu à une accélération de l'audio. De l'audio sur le web. D'ailleurs, on fera un évasion digitale, il me semble, sur le rôle de la voix, qui est aussi une autre partie de Qui l'audio, revient. mais voilà, où on est plus sur une interface différente. Mais on voit que l'audio prend toute sa place dans le numérique. Deuxième élément qui a accéléré les choses, c'est le Covid. Alors, malheureusement, mais sur cette thématique-là, heureusement.
on a été confiné, on est resté chez soi, et du coup, le contenu pour s'informer, pour se divertir, pour se former, pour apprendre, pour découvrir, ben on est tous allés à la pêche, à du contenu de ce type-là, et les podcasts sont un super moyen de récupérer du contenu, de se faire amener du contenu dans sa cuisine, dans son salon, dans son canapé. Et du coup, le Covid a été un élément accélérateur. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un podcast? Ben, ce sont, ben, on vient de le dire, hein, c'est du Ouais. contenu audio Mais qui est disponible à la à demande. la demande. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'être présent à un instant T, à un moment particulier pour pouvoir l'écouter. Vous allez l'avoir ben, quand vous avez décidé de l'écouter. C'est ça qui change un petit peu la donne. On n'est plus sur quelque chose de linéaire. On est sur du contenu à la demande, quoi. C'est Voilà. ça. Ça veut dire qu'on va consommer ce contenu quand on le souhaite, dans le contexte qui nous intéresse. Et ce contenu est proposé bien évidemment sur Internet et sous forme d'épisodes. C'est souvent des séries. C'est rarement un podcast unique, one shot. C'est souvent une série, peut-être même plusieurs séries, un peu à la mode des séries actuelles. Et vous avez des épisodes. Et D'ailleurs, on peut faire l'analogie avec les plateformes ouais, de exactement. streaming, hein, J'avais que ce soit Netflix. Amazon ou Disney, on va dire, pour en citer trois, où vous avez de la vidéo qui est disponible à la demande. Et bien là, c'est la même chose pour l'audio. Et il y a une autre différence, c'est que ça existe depuis beaucoup plus longtemps, en fait, Oui, même si ça se démocratise aujourd'hui. Hein. exactement. Alors, il y a deux types de podcasts. Hein. Il y a quand même le podcast des émissions de radio. Ça, vous le connaissez sûrement. Hein. Vous avez raté une émission de radio, vous étiez en voiture, vous étiez au travail, mais cette émission de radio vous plaît bien, vous l'aimez bien. Bah, vous pouvez réécouter. En fait, c'est une réécoute de l'émission de radio qui s'est diffusée à un moment donné. Je crois que le leader en France, c'est Radio France là-dessus, Radio qui France, oui. a mis aussi en place récemment une application pour pouvoir écouter en replay toutes ses émissions, et qui est un peu un acteur historique du podcast en replay en France. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé, mais l'application Radio France, pour ça, elle est très très bien faite, très ergonome, très simple d'utilisation. Et la deuxième modalité, c'est le contenu natif. En gros, c'est du contenu qui est destiné à être du podcast par nature, sous forme d'épisodes, sous forme de séries, et qui a été créé que pour ça. Donc Donc, ça peut être la presse exactement. écrite, web, par exemple, Le Monde, l'Équipe, propose des podcasts sur sur des thèmes souvent un petit peu de niche. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas refaire leur actualité générale en podcast, ça n'aurait pas trop de sens, mais ils vont plutôt travailler des thèmes très particuliers. Il me semble que l'Équipe en fait un sur le rugby, par exemple, avec un contenu un peu plus expert, pour proposer ce contenu sous format audio. Alors, les chiffres montrent que le replay radio, c'est celui qui est majoritaire, mais la tendance montre que c'est les contenus natifs qui sont en train de monter fort. Donc, les podcasts destinés à être créés pour ça, pour être un podcast à télécharger, sont en train de monter très fortement. Et avec une grosse part aussi, qu'on n'oublie pas, qui sont un peu les précurseurs, hein, qui sont les podcasteurs indépendants, donc qui sont des amateurs, qui ont commencé à lancer une émission et qui, puis de fil en aiguille, certaines émissions ont 10, 15 ans et ont réussi à créer un style Oui, particulier un ton. et à fidéliser en fait une audience forte, quoi. Et particulier, ça veut dire aussi des individus. Vous pouvez tous, on peut tous créer un podcast aujourd'hui, une série de podcasts. On verra après, mais techniquement, c'est pas, la barre n'est pas très haute. Non. Alors, les caractéristiques, on vient de l'expliquer, mais on va le redire. C'est à la demande. Ça veut dire qu'on l'écoute quand on le souhaite, sur le support que l'on souhaite. Ça peut être une enceinte connectée, ça peut être son téléphone, ça peut être son mobile, son laptop, pardon. Ça peut être en faisant de la cuisine, ça peut être en faisant le ménage, ça peut être en faisant en courant, ça peut être en. Ah ouais. Peu importe le contexte, c'est vous qui choisissez en fait à quel moment vous écoutez ces épisodes. Et du coup, bah, ça fait quelque part, c'est un usage qui ne va pas consommer, entre les parenthèses, trop de temps. Quand on Exactement. sait qu'aujourd'hui, la moyenne, sur un smartphone par jour, elle est, parfois de 3-4 4 heures. heures. De 3-4 heures par jour, si l'audio, finalement, bah, oui, on utilise le smartphone, mais on l'utilise en faisant autre chose. Donc, les journées faisant que 24 heures, ça permet de garder un petit peu du temps pour autre chose que le numérique. Et ça, c'est une caractéristique qui va presque être en opposition aux vidéos. Où pour voir une vidéo, eh bien, on est captif et on ne peut pas faire grand-chose d'autre. On est devant son écran et on regarde cette vidéo devant son écran. Là, il y a une différence forte, c'est qu'on peut faire autre chose. Et c'est, on verra qu'il y a d'autres oppositions un peu à la vidéo et c'est presque une concurrence un peu avec la vidéo. Autre caractéristique, et tu l'évoquais par rapport aux casques, les casques sont un support d'écoute qui monte très fort pour les podcasts parce qu'il y a une sorte d'intimité entre celui qui va parler et celui qui va l'écouter, ou ceux qui vont parler et celui qui va l'écouter. Il y a une sorte d'intimité. Donc, quand on est avec un casque audio, c'est très intime presque.
Et du coup, ben, c'est vraiment du son qui peut être de qualité et qui peut être chuchoté. Enfin, moi, j'ai écouté des podcasts des fois où il y a des moments où c'est chuchoté. Et ça va très bien avec ce type de support. Et ce côté proximité entre l'auteur et l'auditeur, on la retrouve également à la radio. C'est quelque chose qui est assez connu également. Mais voilà, la voix sans l'image, ça permet de créer quelque chose d'un peu différent Un peu d'un, en ouais. termes de lien, quoi, De quelque lien, part. exactement. Ça crée une connexion particulière. Et c'est aussi pour ça que les entreprises ou les organisations s'en préoccupent, parce qu'on sort un peu du schéma classique descendant de promotion, de publicité. On est sur, alors c'est pas un échange, hein, il n'y a pas d'interaction pour le coup sur un podcast, mais on est sur une connexion plus intime. Voilà. Après, il y a beaucoup de podcasteurs indépendants qui viennent plutôt qui viennent pas de l'univers de la radio, mais qui viennent plutôt de l'univers des réseaux sociaux, qui eux, pour le coup, valorisent vraiment cette communauté. J'écoute certains podcasts, par exemple, où on a l'auteur qui récupère les questions qui ont été posées sur un groupe Telegram la semaine avant l'enregistrement du podcast et qui va du coup les redire à l'oral. Donc, qui va vraiment créer ce lien avec sa communauté. Quelque part, ça, c'est quelque chose qu'on voit moins dans du replay radio parce que c'est construit pour une audience un peu plus de masse. Mais quand on est sur une audience de niche, finalement, on retrouve un peu les mêmes mécanismes que sur une chaîne YouTube ou que sur les réseaux sociaux, à savoir qu'il y a une communauté et c'est cette communauté, elle est partie prenante finalement dans le contenu du prochain épisode. Et c'est là que c'est encore plus engageant, je pense. Alors, les atouts de ce type de support numérique, ben on vient un peu de l'évoquer, mais il y a un engagement très fort. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un système d'algorithme, ça ne vous est pas proposé, Pas encore, pas ça encore, arrivera pas encore. peut-être. Ça ne vous est pas proposé par un algorithme qui vous pousse, qui vous push du contenu que vous devriez normalement aimer. Donc c'est vous qui allez chercher ce contenu-là, notamment par rapport au sujet qui vous intéresse, par rapport aux thématiques qui vous concernent. Et ce contenu-là, selon les thématiques qui vous concernent, eh bien, il vous arrive directement chez vous parce que vous êtes abonné à une sorte de chaîne, un podcast, ou un sujet, ou une plateforme. Et quand on est abonné, l'ensemble du contenu, dès qu'il y a un nouvel épisode, C'est ça. il est proposé, il n'est pas forcément téléchargé automatiquement, mais il est proposé directement sur le téléphone de l'abonné. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu différent avec ce qu'on voit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, ou souvent sur YouTube ou les réseaux sociaux, oui, il est proposé, mais au milieu d'un contenu divers et varié, au milieu de contenus sponsorisés, et puis parfois il n'est même pas proposé alors que la personne est abonnée à votre contenu. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus direct. Pour l'instant, il y a des applications de podcast qui, à mon avis, vont mettre des algorithmes de recommandation, etc. Mais pour l'instant, on reste sur un fonctionnement très direct entre le podcasteur et sa communauté. Donc c'est vraiment un contenu qui est engageant, qui crée de l'engagement et qui crée du lien fort entre celui qui émet, celui qui édite et celui qui propose et celui qui écoute. Dernier élément sur les atouts, il faut quand même l'évoquer, c'est que les podcasts sont très légers en termes de consommation numérique par rapport à une vidéo qui est très lourde en consommation numérique. C'est Et ça ça, peut peut-être être un facteur aussi accélérant sur le podcast. On est plus sobre en écoutant des podcasts qu'en regardant des vidéos YouTube toute la journée. je pense qu'une minute de vidéo YouTube doit valoir quasiment une petite heure de podcast, à mon avis, hein, à la louche. Alors comment ça marche? Comment ça se décrypte? Ben, la première chose, c'est d'abord qu'il y a un enregistrement qui est fait d'un son qui peut être direct ou qui peut être monté. Mais en tout cas, il y a ce fameux enregistrement de départ. La plupart du temps, il est même monté, puisque Ouais. c'est pas forcément, vu que c'est à la demande, le direct n'est pas forcément le plus plébiscité. C'est asynchrone. Quand je disais, il y a un lien entre la communauté et l'épisode, c'est un lien qui va se faire entre deux épisodes, qui ne va pas forcément être en direct. Derrière, à partir de cet enregistrement audio, on va générer un flux de données qui va comprendre le nom de l'épisode, sa description et le lien vers l'enregistrement audio, pour faire très simple. Ce flux de données, il est normalisé en fait. Et n'importe quelle application de podcast est capable de lire et de distribuer ce flux de données. Donc vous, finalement, le plus difficile, entre guillemets, le plus grand effort qu'il va falloir faire pour créer un podcast, c'est arriver à faire cet enregistrement audio et à faire un petit peu de montage pour que ça soit assez qualitatif, par exemple, s'il y a différents intervenants, qu'on puisse les entendre de manière audible, peut-être faire un petit habillage en intro et un petit habillage en conclusion. Mais c'est finalement là où la barrière est la plus difficile. Le reste, c'est les applications qui vont vous le proposer. C'est ça. Et du coup, ensuite, il y a un système d'abonnement qui permet à l'utilisateur, une fois qu'il est abonné, de pouvoir utiliser, télécharger et consommer finalement votre contenu audio que vous avez proposé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce flux de données, il est standardisé, il est normalisé. Donc ça veut dire que n'importe quelle application de C'est ça. podcast est capable de le lire. Ça, c'est un gros atout. Il n'y a pas besoin de faire un flux par type d'application.
même s'il faudra référencer votre flux de données, le faire connaître sur les différentes applications. En tout cas, peu importe quelle application utilise votre lecteur en face, votre auditeur, il aura la possibilité de lire votre flux. Ce qui veut dire qu'on peut aussi uploader ou proposer son contenu sur différentes plateformes. Oui, on a intérêt à le faire même, je pense. Exactement. Ouais. Et ensuite, le lecteur, il écoute immédiatement, une fois que le podcast est proposé, ou il écoute plus tard. Et on voit dans les chiffres qu'il écoute très rapidement. Dans la semaine qui suit, c'est même 48 heures après que le nombre d'écoutes est maximum. J'ai parlé de téléchargement. Selon les applications, l'auditeur n'est pas obligé de faire un téléchargement. Ça peut être l'application qui télécharge à sa place pour éviter, quand il n'y a pas de connexion, par exemple, oui, que ça puisse marcher. C'est assez, assez fluide, hein, ce système. Il n'y a pas à faire des téléchargements en cliquant sur des épisodes. Ça se fait tout seul, souvent. Justement, on parle de lecture, de podcast. Quelles applications de lecture? Alors, on en a mis plusieurs. Hein, ouais. Je vous en ai mis trois sur Android pour les premières, Podcast Addict, qui est à la fois une plateforme d'écoute, mais à la fois une plateforme de découverte. Ouais. Donc, qui référence beaucoup de podcasts, qui les classe par catégorie, qui en met en avant certains, etc. Pocket Cast, qui est à peu près la même chose, et une open source qui s'appelle AntennaPod, qui est un peu un historique, un petit peu plus basique, mais très fonctionnel également. Mais on voit que ça se diversifie, hein, parce qu'il y a des plateformes historiques comme iTunes, on en parlera après, ça c'est Apple. Spotify qui est en train de monter très fort comme acteur sur le podcast et qui a fait une grosse acquisition là récemment d'un acteur américain sur des flux de podcasts. Et qui change un peu la logique parce qu'eux, ils sont en train de produire eux-mêmes des podcasts qui seront dédiés à la plateforme Spotify. Donc, qui commencent à briser un peu aussi le côté j'ai un podcast, je peux l'écouter partout. Ils commencent à mettre une petite rupture là-dessus. Ouais. Et après, il y a des choses, il y a des Deezer, il y a différentes plateformes, on en a repéré Fultitude, qui permettent de lire des podcasts. De toute façon, sur la lecture, les chiffres montrent que les utilisateurs, vous les écoutez à 90% sur un mobile. Donc, dans un contexte qui peut être complètement libre dans le bus, quand vous allez entre chez vous et le travail, vous pouvez tranquillement, avec votre casque, écouter des podcasts. Et c'est l'usage principal et c'est l'usage qui monte en plus encore en chiffres. De manière étonnante, je les vois aussi souvent diffusés sur YouTube. Alors, vous n'avez pas de vidéo, vous avez juste l'image de couverture du podcast avec l'audio. Je pense que cet usage, à mon avis, il est surtout fait pour faire découvrir le podcast. Parce que YouTube, finalement, a des systèmes de recommandation, de recherche qui sont souvent plus pertinents que les applications de podcast. Donc, je pense que c'est distribué sur YouTube aussi pour faciliter la découverte et ensuite s'abonner avec une application de podcast. De la même façon, les réseaux sociaux sont souvent aussi des supports de diffusion des podcasts dans un flux, dans son flux, avec sa communauté. C'est au moins aussi le fait que la communauté est déjà là. Ouais. Il y a pas mal d'éditeurs qui commencent comme ça et qui... soit qui testent, soit qui diffusent aussi sur leurs réseaux sociaux leurs épisodes de podcast. Bon, Jean-Philippe, tu nous as dit que c'était une tendance, le podcast, et là, tu nous mets un chiffre de 2004, c'est ça? Ouais. C'est rare de mettre des chiffres de 2004 dans le numérique, mais pourtant, c'est quand même un mot qui a été créé à ce moment-là, qui est une contraction de iPod et de broadcaster, qui veut dire diffuser en direct. Et c'est ça. Il y a eu différentes possibilités. Il y a eu audio blogging, Nextcast, balado diffusion. Le terme qui a gagné largement, c'est podcast, et qui vient de 2004. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas une nouvelle technologie, c'est une nouvelle tendance. C'est pas une nouvelle technologie. Ce qui l'a popularisé, c'est l'iPod, on peut le dire, petit appareil. Alors, on aurait aimé en avoir un pour vous montrer, mais ça se fait rare. Donc, un petit appareil qui a existé avant les smartphones, en fait, et qui permettait d'écouter de l'audio. Et c'est avec l'application iTunes d'Apple qui a démocratisé en fait l'utilisation des podcasts, qui ensuite s'est généralisé sur les autres plateformes. Et il y a un nouveau mot, alors je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle poditeur. Le poditeur, ça sonne moins bien quand même, non? C'est pas forcément très heureux, mais à force, les mots ne sont pas très heureux, on va s'habituer, finalement ils vont être dans le langage courant. Mais les poditeurs, ce sont ceux qui écoutent des podcasts. Voilà. Donc il y a un mot qui est très ancien, c'est podcast, et un nouveau mot qui est poditeur. Alors, pour découvrir des podcasts, si vous souhaitez en découvrir, on a mis plusieurs plateformes ou plusieurs sites qui existent. Historiquement, c'est l'annuaire iTunes. D'ailleurs, quand vous écoutez les podcasts, surtout les producteurs indépendants vont vous dire « laissez-nous une évaluation sur iTunes ou sur Apple ». Pourquoi ? Parce que c'était le seul annuaire qui classait vraiment précisément par catégorie. Alors, ça ressemblait à un annuaire un peu à l'ancienne. Hein. Vous aviez les catégories thématiques, sport, actualité, etc. Et les podcasts sont classés et puis sont notés et ils ont aussi une note de popularité. C'est-à-dire que les épisodes les plus populaires sont mis un peu en avant par rapport aux autres.
Mais ça reste encore un système, c'est pour ça que j'ai mis encore perfectible, c'est un système un peu de classement à l'ancienne. Vous n'avez pas un système aussi fluide qu'un moteur de recherche ou que ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux avec du contenu qui est un petit peu mis en avance selon vos préférences et selon un algorithme. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus... découvrir un podcast, ça demande un petit effort presque, j'ai envie de dire. Oui, alors un petit effort, ou alors on peut aussi le faire un peu différemment et se laisser porter par ses propres lecteurs classiques, son Spotify, son Deezer, son Apple, et se laisser découvrir des choses. Ça dépend de votre façon de fonctionner, ça dépend est-ce que vous avez une recherche particulière ou est-ce que vous voulez voir un peu les podcasts de tendance actuellement. Donc on en a mis plusieurs, hein. Les liens sont sur la présentation qui sera sur notre site. À la fin de la session. Donc Podmust, Podcastéo, c'est selon un petit peu ce que vous allez chercher. Podcastéo, c'est que des podcasts d'indépendants. Ouais. PodCloud, c'est pour le... Il y a X milliers de références de podcasts. Podcast France, on a juste l'air d'être un top des podcasts français. Ouais. Que des médias de France. Et puis sur du B2B, alors on est vraiment sur du pro vers pro, il y a une plateforme qui s'appelle Toutac. Et qui est géré un petit peu et qui référence par catégorie aussi. Là, pour le coup, on parle métier, on parle profession et on parle d'entreprise à entreprise. Voilà. Après, vous avez aussi des producteurs professionnels, je pense, on en parle après, je crois, de Binge Audio, qui est un exemple, qui, eux, vont créer des podcasts, vont aussi créer une plateforme pour les faire connaître, en fait. Ils vont développer le marketing autour de leur propre podcast. Alors, et pour vous et pour une activité professionnelle, en fait, c'est ce qu'on appelle des podcasts de marque. Et les podcasts de marque, c'est une tendance alors très récente, mais qui monte très fort. Il y en avait 102 en 2019, et les chiffres de 2020, on ne les a pas encore, mais il y en avait 4 en 2018. En gros, c'est en train d'exploser. Le principe, c'est vraiment de faire du marketing de contenu. C'est-à-dire que c'est le contenu qui devient le sujet et c'est pas... Tu veux dire qu'on raconte, on présente tous ces produits en audio, c'est ça? Justement pas. On va plutôt expliquer des histoires, on va plutôt expliquer d'où ça vient, on va expliquer peut-être le process, peut-être... on va parler d'autres choses que le prix, la qualité, l'avantage concurrentiel du produit par rapport à ses concurrents. Donc, c'est pas de la réclame. Hein. C'est loin d'être vraiment... de la réclame, ouais. C'est l'opposé de la réclame. Et l'idée, c'est de pouvoir diversifier du contenu. Alors, ça remet en question, en fait, justement, les façons de faire, puisqu'on est plutôt habitué à faire du marketing classique. Et là, on est sur du marketing de contenu, et donc de se reposer la question, mais de quoi on peut parler, en fait, si on ne parle pas de nos produits, si on ne parle pas de leur qualité intrinsèque, bah, de quoi on parle Je pense que ce type d'approche qui est super intéressante, on voit des marques qui le font très bien, il faut aussi avoir développé un contenu autour de votre marque, c'est-à-dire qui va dépasser le cadre de votre simple podcast. C'est quelque chose que vous allez raconter peut-être sur les réseaux sociaux, via les relations presse, etc. Mais il faut déjà avoir développé un message, un contenu autour de la marque, de ses valeurs, de ce qu'elle veut véhiculer, pour ensuite être bien prêt pour proposer un podcast. Quand on propose un podcast, c'est engageant parce que ce n'est pas un épisode finalement. On va proposer une série d'épisodes. Donc, il faut aussi réfléchir un petit peu. Alors, ce n'est pas forcément sur du long terme. Non. Parce qu'on peut imaginer on verra les chiffres, hein, mais... des formats courts, 5, 6 épisodes. C'est mais ça. Il faut quand même qu'il y ait une ligne directrice entre ces 5, 6 épisodes, quoi, qu'on n'ait pas à chaque fois un sujet nouveau qui n'a rien à voir avec le précédent. Quoi. Donc, c'est un moyen assez accessible et en budget et en technique dans un format qui est finalement agréable pour l'utilisateur. Du coup, ça crée du lien, c'est engageant, on l'a déjà vu, donc ça intéresse de plus en plus de structures, d'entreprises ou d'organisations, et dans le tourisme, on verra à la fin. On aura quelques exemples, ouais. Que c'est vraiment un sujet qui devient un sujet fort. Alors justement, en termes de chiffres, et c'est surprenant, 8 podcasts sur 10 sont écoutés intégralement. Souvent, les vidéos, on va les consommer le début, on va consommer par petits bouts, on va zapper, on va passer. Là, pour le coup, on est sur une autre écoute, on est sur une autre attention. La grande majorité est écoutée intégralement. Alors, si vous ne parlez pas vite, sachez qu'il y a aussi, la plupart des applications proposent le 1x25 ouais. ou le 1x5. Donc, comme ça, vous pouvez encore en écouter plus. Je ne consomme, consomme pas de cette manière, mais c'est une possibilité en fait, qui existe. Et vous pouvez, voilà, si vous écoutez un podcast un peu lent, vous pouvez accélérer. Ouais, pourquoi pas. Alors, effectivement, c'est aussi écouter intégralement parce que ce n'est pas très long. La majorité des podcasts durent moins de 30 minutes. Ouais, je pense. Certains durent jusqu'à une heure et les chiffres montreraient qu'il n'y aurait pas finalement de tendance forte de désaffection lorsque les podcasts sont de une heure. Mais bon, ça veut dire qu'ils sont aussi très intéressants. Après, il y a aussi beaucoup les replay radio qui sont sur le format un peu moins d'une heure. Ouais. Ouais, voilà, parce que les émissions sont taillées comme ça. Donc, eux, ils reproposent la même émission en podcast ouais. en fait. Hein. Mais on est quand même sur des chiffres qui montrent qu'on est sur 30 minutes à peu près de durée
de durée moyenne des podcasts de marque. En termes de qui parle, qui exprime des choses sur un podcast, la majorité sont des podcasts qu'on appelle intimistes, c'est-à-dire qu'il y a une seule voix ou deux voix maximum, une interview, un échange comme on le fait là, et c'est pas plus, il y a 40% sont avec trois voix et voire plus, mais majoritairement c'est entre une et deux voix. Souvent, quand c'est une voix, j'ai remarqué, c'est beaucoup plus écrit. Finalement, on a quelque chose C'est de beaucoup rédigé, oui. plus écrit. On a presque un narrateur, quoi. On est sur une logique un peu différente. Mais il y a des podcasts super intéressants comme ça aussi. Ouais. Par contre, on peut imaginer des formats très différents. On peut imaginer, pour le coup, même si ça reste du contenu audio, du contenu intimiste, ou enfin tout ce qu'on vient de dire avant, on peut imaginer, il faut s'imaginer des formats très différents. Ça peut être interview, ça peut être des reportages, ça peut être des fictions, ça peut être du récit, ça peut être des témoignages, ça peut être une balade avec des intervenants qui vont le faire. On verra dans le tourisme après. Faut imaginer des formats. Du contenu différent et des formats différents. Et c'est un moyen de le pouvoir le proposer. Même si majoritairement, 30%, 31%, ce sont des podcasts de marque, hein, je parle, sont des interviews réalisées. J'ai vu que donc tu le disais aussi, deux podcasts sur trois qui font moins de 10 épisodes. Donc là, on parle bien évidemment des podcasts de marque. Oui. Pourquoi? Parce que le contenu, quelque part, à un moment donné, Il on l'a s'épuise. épuisé. On l'a épuisé, on n'est pas capable de tenir le rythme dans la durée. Et mieux vaut avoir quelque chose de timé où on dit bah, ça va de telle période à telle période que d'essayer de faire durer l'épisode. Ce n'est pas forcément la meilleure idée. Sur les podcasts classiques, pour le coup, là, Oui, on a c'est souvent des différent. podcasts où vous avez 200, 250 épisodes, on fête la 300e, enfin voilà, ou des podcasteurs indépendants qui sont là depuis des années et des années et qui continuent avec ce rythme-là et avec leur communauté, mais c'est une logique un petit peu différente. Autre chiffre qui montre que du coup, en podcast de marque, il n'y a pas forcément une vocation à durer dans le temps. 90% ont une seule saison qui a moins de 10 épisodes. Donc voilà, ça c'est la grande majorité. On lance pendant une saison, on lance 10 épisodes, on lance 6 épisodes, et puis après, on arrête là. Mais on a pu diffuser du contenu, on a pu créer une sorte de relation différente avec sa communauté. Et voilà. Un tiers sont publiés en season stacking, ça veut dire qu'ils sont publiés d'un seul coup. Les 6 épisodes sont publiés sur les plateformes d'un seul coup. D'accord. À 30% et 70% le font C'est le une syndrome Netflix, semaine. ça, non? Comment? C'est le syndrome Ouais, un Netflix, peu, c'est ouais, ça? c'est ça. D'accord. Et puis un quart se fait de façon hebdomadaire. Donc il y a un premier épisode cette semaine-là, l'épisode 2 sera fait la semaine prochaine, etc., etc. Et puis, pour montrer l'engagement aussi de la communauté, 70% des épisodes sont commentés ou notés. Donc ça montre bien que ce n'est pas juste de l'écoute, c'est aussi j'ai bien aimé ou j'ai particulièrement bien aimé ce passage-là. Enfin bref, il y a une sorte de, je sais pas comment dire, de relation qui se crée avec l'auditeur. Et pour que la relation s'existe, les évaluations ou les commentaires sont. Alors 70% commentent des podcasts. Et la note moyenne des podcasts en France, c'est 4,6. Podcasts de marque. Hein. Alors là, pour le coup, les notes, elles sont faites sur chaque application. Hein. Oui. Si vous êtes sur iTunes, vous faites une note sur iTunes, sur un autre site. Ben voilà, vous avez plusieurs notations qui cohabitent, quoi. Vous n'avez pas une notation unique. Alors, quels sont les avantages pour vous de réfléchir à un podcast de marque? Alors, on vient de l'évoquer, la plupart des podcasts, enfin la grande majorité sont écoutés intégralement. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de lien. Connexion forte entre l'auditeur et vous. Je vois aussi un autre avantage, c'est que par rapport aux réseaux sociaux, notamment dans le tourisme, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Là, vous pouvez prendre un petit peu de recul, quitter un peu l'actualité chaude du moment, la période de réservation, l'été, et puis prendre un peu de recul pour aussi valoriser votre destination, mais un peu plus sur du long terme, je pense, parce que le podcast, ce n'est pas un format qui va non plus expirer. Si vous avez fait un contenu de marque en 6-7 épisodes, bah ça peut Il être dure. intéressant de se dire dans 6 mois, si quelqu'un l'écoute, il ne soit pas obsolète. Et peut-être que ça peut s'envisager aussi comme ça, oui. Et donc ça augmente la fidélisation avec votre communauté, avec votre public, avec vos cibles et l'engagement qu'ils peuvent avoir avec vous. Deuxième avantage par rapport à une vidéo, parce qu'une vidéo, construire une vidéo de marque, des vidéos de marque, techniquement c'est quand même assez compliqué pour avoir un résultat, Et avoir là, des compétences. la production sera peut-être un peu plus simple, Ouais. effectivement, ouais. Le montage reste, ce que tu Ouais, l'as il y a déjà un peu de évoqué, il y a montage. du montage à réaliser quand même sur de l'audio, mais le montage audio est sans doute un peu plus facile que le montage vidéo et la compétence est un peu moins technique C'est ça. pour le Pour la réaliser. production, après, il faudra avoir la bonne idée Ça, c'est autre chose. par rapport à votre contenu Ça de reste le marque, ouais. contenu. Hein.
Pour l'utilisateur, l'avantage, c'est que c'est considéré comme plus facile que de la lecture ou que de la lecture de vidéo. Donc c'est aussi une simplicité de relation. Donc si on mélange fidélisation, engagement et simplicité, voilà, on a quand même trois avantages. Et on n'empiète pas sur ses 4 heures d'écran par jour. On lui laisse tranquillement ses 4 heures d'écran par jour. On est sur un autre temps quelque part. Et peut-être que sur cet autre temps, il y a un peu plus de ces temps un peu annexes quand vous êtes dans le bus, quand C'est vous ça. êtes dans une salle d'attente, etc. Vous avez peut-être un peu plus de possibilités de le toucher que sur des temps d'écran où finalement 4 heures, on se rend compte que c'est déjà énorme. Et peut-être qu'il y a peu de personnes qui veulent aller jusqu'à 5 heures par jour, quoi. Alors, si vous devez vous poser les questions pour réaliser vos propres podcasts, ben, la première chose, c'est effectivement quels sont les objectifs? Quel contenu vous voulez faire passer, enfin faire passer, ou en tout cas quel contenu vous voulez aborder tout simplement? Est-ce que vous voulez que ça soit plutôt informatif, éducatif, divertissant, explicatif, peu importe, mais quels sont les objectifs que vous vous assignez? Évidemment, je ne l'ai pas mis, mais quel contenu vous voulez proposer? Est-ce que c'est vous qui parlez? Est-ce que vous allez à la rencontre d'intervenants, de prestataires, de salariés, peu importe, mais est-ce que ça sera ce format-là? Est-ce que le ton, vous le voulez plutôt intime, vous le voulez plutôt afficher une expertise particulière, travailler un peu l'humour aussi, le décalage? Quelle durée vous voulez assigner à vos épisodes? Ça, ce qui est important, c'est d'avoir une durée qui soit à peu près la même. Si vous faites 6 épisodes, il ne faudrait pas en faire un de 30 minutes, un d'une heure, un d'une heure et demie. Il faut quand même une régularité, une sorte de rendez-vous qui soit le même type. Et puis, quel format vous voulez appliquer à vos podcasts? Est-ce que vous voulez que ça soit peut-être une série de fiction, hein, pourquoi pas? Il y en a Il y a des d'excellents de ouais, il podcasts y de a même des fiction. territoires qui travaillent maintenant de plus en plus sur cette partie-là. Et puis, quel rythme vous voulez donner à ce podcast? Est-ce que c'est hebdomadaire? Est-ce que c'est mensuel? Alors après, au-delà de mensuel, non, mais quel rythme vous voulez donner? Est-ce que c'est quotidien? Pourquoi pas? Donc pour vous faire une idée sur le format, bah le mieux c'est d'aller parcourir un petit peu Ouais. des podcasts de marque, des podcasts indépendants pour voir un petit peu comment ils fonctionnent. Je pense qu'il ne faut pas négliger le travail de préparation. Si c'est un récit, c'est un travail de préparation qui est très important quand même pour faire un podcast. Une interview aussi, on l'a déjà expérimenté nous en vidéo, une interview finalement c'est pas si facile que ça à réaliser. Donc la préparer aussi, préparer ses questions, essayer de voir sur quoi on va pouvoir rebondir, comment on va avoir un fil conducteur dans son interview, bah c'est des choses aussi qu'on peut un peu préparer en amont. Il faut préparer. Voilà, peut-être avec l'intervenant, discuter un petit peu pour voir un petit peu les grands, sans faire l'interview avant l'interview, mais pour voir les points un peu clés dans son discours pour pouvoir rebondir dessus au moment où vous serez à l'enregistrement audio. Et ça, c'est un travail un petit peu journalistique presque, Ouais, exactement. mais qui nécessite de la préparation, quoi. Et en fait, plus c'est préparé en amont, moins il y a de montage après. Moins c'est préparé en amont et plus le montage est nécessaire et compliqué et doit intervenir pour pouvoir remettre les séquences dans l'ordre, pouvoir couper, pour pouvoir reprendre. Donc en fait la préparation joue aussi sur le temps de montage par la suite. Il y a aussi un truc que j'ai déjà remarqué en écoutant des podcasteurs indépendants, c'est alors surtout les premiers épisodes où on se rend compte que la qualité audio est moyenne, mais c'est pas forcément qu'ils ont un mauvais micro, on verra le matériel après, mais c'est la normalisation audio. C'est-à-dire vous avez un intervenant qui a un micro, on l'entend, et d'un coup l'autre, waouh, ça vous casse les oreilles. Donc il y a aussi toujours un travail de mixage à faire, c'est-à-dire tout bêtement normaliser les volumes dans un logiciel de montage audio parce que ça peut être très très désagréable pour le poditeur. Le poditeur peut être à des oreilles sensibles, donc voilà, il faut faire Et attention surtout à s'il ça. écoute au casque. C'est que voilà, quand il y a un intervenant qui se met à crier et l'autre on entend à peine, c'est pas très très agréable. Alors, justement, on parlait de techniquement un petit peu, si on va plus loin, comment ça marche. Il y a trois grandes étapes. La première chose, c'est de capter, d'enregistrer, de créer. Donc pour ça, ben, il faut un micro. Éventuellement un habillage sonore, c'est-à-dire des sons que des Un petites. petit jingle, un Un petit petit générique. jingle, Alors ça des vous petits demande un petit sons. peu, ouais, un petit travail de création, on va dire, mais c'est pas mal aussi pour donner une identité à votre podcast et pas que ce soit un podcast générique. Je pense qu'en termes de matériel, c'est pas énorme. Finalement, un micro, vous avez beaucoup de micros USB. Les micros USB, finalement, c'est assez facile à installer, c'est assez facile à gérer et vous pouvez très rapidement avoir un enregistrement de très bonne qualité. Ça, je pense que Et c'est important. à des coûts vraiment très très raisonnables. Ah, on a un petit Thomas qui vient de passer. Enfin, un grand Thomas qui vient de passer. D'accord. Ah.
Ensuite, les logiciels de montage, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre micro, vous avez créé votre habillage sonore, et ben vous allez faire l'enregistrement, faire votre interview, enregistrer votre récit, et vous allez passer dans le logiciel de montage. Donc le logiciel de montage, du coup, ben, ça va être les plus connus. Il y a un open source qui s'appelle Audacity. Voilà. Toi, tu avais vu hein, qui s'appelait, qui était une En application comme short. ça, en short, En sur short, sur mobile. mobile, Vous en ouais, avez même sur c'est mobile, qui ça. vous permettent en fait à minima de normaliser l'audio et de rajouter votre pastille sonore en C'est intro et ça. en outro, tout Et simplement. voilà. Et là, vous avez déjà des logiciels qui demandent peut-être un petit peu d'apprentissage. Hein. Il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube pour pouvoir réaliser tout ça. Mais voilà, c'est peut-être il y a une petite partie d'apprentissage pour maîtriser tout ça. Et vous avez sur Mac GarageBand, qui, alors moi je ne le connais pas, mais apparemment qui est installé nativement sur Mac et qui est destiné à faire ce montage audio, voilà, qui fonctionne très bien apparemment. Il y a aussi OBS Studio qu'on connaît très bien, puisque c'est celui qu'on utilise aujourd'hui pour vous diffuser la vidéo, qui marche pour la vidéo, mais qui marche aussi pour l'audio. Donc vous avez quelque chose qui est un peu plus, qui s'applique aux deux, mais voilà, c'est un outil qui marche aussi pour le podcast. Vous Alors, avez créé. pardon, alors juste, on a mis image, je ne sais pas si on en a parlé, mais image, ça veut dire que vous pouvez mettre une petite image d'introduction pour afficher votre marque, pour afficher quelque chose. Et là, d'ailleurs, la majorité des podcasts de marque utilisent une image de marque en entrée, une image de marque en sortie. Voilà, 80%, je crois, utilisent une entrée, une sortie. Pas trop, attention, il ne faut pas que vous apparaissiez sur un outil de publicité. Voilà. Des fois même, ce n'est pas l'entreprise qui est notée, hein, c'est le sujet qui est juste apparent et en tout petit, en bas ou en sortie, l'entreprise ou l'organisation qui propose. Pour bien être précis sur cette image, on n'est pas sur un diaporama, c'est Non. vraiment une image qui est liée à votre podcast. Donc votre podcast est une image et cette image-là, elle est embarquée C'est dans le ça. fameux flux qui est distribué. Donc quand on va arriver sur n'importe quelle application de podcast, on va voir cette image. Et ben, cette image, elle a aussi pour objectif de donner envie L'attirer, de s'abonner et d'aller exactement. plus loin. Voilà. Chaque épisode aussi a une image qui est embarquée dans le flux de podcast. Donc quand elle arrive dans l'application, cette image aussi, elle peut, souvent elles ne sont pas personnalisées, mais je trouve que c'est dommage. Parfois, elles sont personnalisées par épisode et ça vous donne un petit peu la tonalité de l'épisode que vous allez écouter avant même d'avoir appuyé sur play. Donc c'est le soin sur cette petite miniature, il est Il est important, ouais. important, il est très important. Ok, donc on a capté l'enregistrement, on a capté l'audio, on l'a monté derrière avec Audacity, GarageBand ou OBS ou Et ben, en il faut short. le distribuer. Il faut le Ouais. distribuer et donc il faut le positionner, l'uploader sur une plateforme. Donc il va être hébergé, il va être distribué, un peu comme nous on fait aujourd'hui pour la vidéo YouTube. Elle est hébergée sur YouTube et distribuée par YouTube. Nous, on envoie un flux à YouTube. Et ben, sur les podcasts, c'est la même chose. À la différence que la plupart des services de distribution d'hébergement sont payants. Donc je vous en ai mis plusieurs. Donc il y a SoundCloud qui était très connu pour la musique indépendante. Oui. Vous avez aussi Podbean. À chaque fois, vous avez un petit abonnement par mois pour distribuer votre podcast. Le seul que je connaisse qui est gratuit et sans pub, c'est Audioblog qui est proposé par Arte. Donc ça veut dire que votre podcast, c'est-à-dire le fichier audio, il est hébergé sur Audioblog par Arte, mais ça veut dire que quand même ce fichier audio, ce podcast, il est distribué sur l'ensemble des applications via le flux. Vous n'êtes pas lié uniquement à une application. Et C'est c'est juste, pareil en pour fait, le remonter SoundCloud. sur le web, Et voilà. c'est le remonter sur le web, C'est quoi. le stocker quelque part. Et surtout, quand moi, par exemple, avec mon téléphone, je vais vouloir écouter ce podcast, et ben, que je puisse l'écouter parce qu'on me le distribue de quelque part, quoi. Voilà. Et justement, c'est la troisième étape, c'est qu'une fois que ce flux est hébergé quelque part, ben, il va être diffusé sur différentes plateformes ou différents supports, enfin plateformes finalement. Et Il y a là, des on systèmes de collecte, de moissonnage automatique des flux, mais il y a des systèmes aussi où c'est à vous d'aller faire l'action. C'est Là, ça. une fois, vous le faites, hein, vous allez dire, bah, tenez, j'ai créé un podcast, voilà qui est l'auteur, voilà ce que je propose et voilà mon flux. Voilà le flux. Et c'est le flux Et en c'est fait ça. qui est hébergé par ailleurs sur les outils qu'on a évoqués précédemment. Donc, on vous a mis les fameux répertoires aussi, hein, c'est les mêmes. Hein. L'application Podbean, c'est aussi un répertoire podcast pour distribuer les flux. Et puis, on retrouve les fameux AntennaPod, iTunes, Deezer, Deezer, Spotify. Spotify, etc. Où vous allez proposer votre flux de podcast. C'est les trois étapes clés. Donc, ces étapes, vous pouvez les faire vous-même ou les confier aussi à un prestataire. Par exemple, pour vous, la captation, la production, ce n'est pas forcément votre métier, mais il y a des gens qui peuvent vous accompagner pour faire ça. Pareil pour l'hébergement, pareil pour la diffusion. Exactement. C'est au choix, à la carte. Alors, si on en vient sur la partie tourisme, les fameux podcasts de destination. Donc, l'idée de ces podcasts-là, c'est vraiment sortir du flot de messages visuels. Alors, j'avais vu un chiffre, là, je ne l'ai pas mis, mais apparemment, par journée, on est,
vais pas mettre ce mot-là agressé, mais quand même, on est confronté à 1200 messages visuels sur le web, sur la partie numérique, hein, ce qui montre une sorte de flux un peu fort. Bah, du coup, là, c'est d'en sortir et de sortir de ce message visuel de destination. En gros, la photo du lac qui va bien, la photo de la montagne qui va bien, ça, on en sort. La photo de la forêt, la photo, etc. Et là, on en sort et on va parler au creux de l'oreille de vos futurs visiteurs. Et vous allez leur parler d'autre chose, de la destination, avec ses avantages évidemment, mais de façon différente. Donc ce que tu sous-entends, c'est qu'on va plus travailler peut-être sur l'imaginaire, Sur le ressenti. sur du ressenti plutôt que sur du purement factuel ou du voilà, ou comme des images où on a quelque chose tout de suite de très factuel, quoi. Du coup, faut bien penser le son, c'est-à-dire qu'une destination, il y a aussi du son, et une cascade, eh ben, c'est du son, et se balader dans une grotte, eh ben, le son de la personne qui parle est différent, et en fait, finalement, on va s'apercevoir qu'on va pouvoir, juste par le son, bah, se projeter dans le lieu, finalement. Et par l'imaginaire, par les sens, par le sens de ce qu'on va écouter, on va se projeter et on va pouvoir s'imaginer être sur place. Ça, c'est la partie format. Après, il y a évidemment le contenu, et le contenu, ça ne va pas être de dire venez chez nous, vraiment, on a une offre de territoire qui est fabuleuse. Ça va être de raconter son territoire, notamment à travers des témoignages, pourquoi pas. À travers ceux qui font le territoire, peut-être aussi, Exactement. les personnes les plus qui ont quelque chose à raconter, qui ont une histoire, qui peuvent donner de l'authenticité et qui sont intéressants pour donner de la vie à votre territoire, en fait. Ce que tu viens de dire est important, c'est le mot authenticité. L'idée, c'est pas que la personne qui soit interviewée dise venez chez nous, c'est vraiment très bien, Oui. Mais elle va raconter ce qu'elle, peut-être ce qu'elle fait, ce qu'elle vit, ce qu'elle aime surtout. Et ce qu'elle aime, ça fait partie d'un élément fort pour qu'on sente l'authenticité de la personne qui dit vraiment comment elle le vit et comment pourquoi elle est là et pourquoi elle reste là et pourquoi elle adore son territoire. Donc on passe d'une invitation venez chez nous à une expérience qui est racontée. C'est beaucoup plus presque passif comme message, mais finalement, c'est un moyen de le proposer différemment. Allez, je fais cette petite aparté. On a une question de Joanne qui nous demande une question sur YouTube Musique qui accueille effectivement les podcasts et qui permet de centraliser l'ensemble des productions audiovisuelles. Or, les podcasts, ils sont même sur YouTube classique, puisque vous pouvez créer une pseudo-vidéo qui est en fait un podcast, donc Sans image, quoi. sans images. Alors, Google, c'est vrai que là-dessus, ils travaillent à la fois sur YouTube Musique, sur YouTube pour les podcasts, et puis ils ont lancé aussi une application qui s'appelle Google Google, Podcast, qui est en train de monter fort. Qui est en train de monter. Donc, leur stratégie, j'avoue que j'ai du mal à la décrypter aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils voient que le podcast, c'est quelque chose qui monte. Après, Ils le testent fait de qu'ils aient partout. lancé Google Podcast et YouTube et qu'ils accueillent les podcasts dans YouTube Musique, pourquoi ils mettent les deux en face, ça, je ne sais pas. Ils doivent avoir une idée beaucoup plus précise que ce qu'on peut imaginer, mais en attendant, mystère. Après, Johan, peut-être nous dire si vous avez l'idée de réponse là-dessus vous-même, si vous avez une piste d'idée, avec plaisir, hein, de nous dire comment vous le vivez-vous en fait. Je crois que YouTube Musique, c'est un abonnement, il me semble. Oui, Il y a un abonnement, hein, si Joanne nous confirme, il y a aussi un abonnement. Donc payant. peut-être que c'est ça la différence en fait. Il y a d'un côté, c'est pour l'offre payante et de l'autre côté, Google Podcast pour l'offre gratuite. Revenons à notre destination. Voilà, et du coup, on a mis deux exemples principaux là. Un exemple, bon, je vais parler du premier Allez. en bas, celui qui est en bas, hein. Ouais. C'est Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui a édité une série de six épisodes, je crois, de mémoire, podcast cet été. Là, par exemple, je l'ai mis en copie d'écran, mais c'est sans forester. C'est dans le Vercors. Ah, ça consiste en quoi, sans forester alors? Mais c'est d'aller en forêt et d'aller en forêt en mode expérientiel et d'aller en forêt sans avoir une intention de départ et de se laisser un petit peu prendre par la forêt et d'aller se balader ensuite en fonction de ce qu'on sent, de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit et de ce qu'on entend aussi. Et donc le témoignage, c'est deux personnes, hein, qui viennent témoigner, enfin témoigner, c'est même pas témoigner, qui viennent, on part en forêt avec eux, D'accord. et on entend les bruits, on entend les oiseaux, on entend, ils vont dans une grotte à un moment donné, ils vont se balader au bord d'une rivière, bref, on entend tous les bruits qui vont autour, et on a l'impression de se promener avec eux et de découvrir le Vercors. Si on ne connaît pas, c'est vraiment, ça serait intéressant que vous puissiez écouter. Ça donne envie, ouais. Ouais, ça donne très envie de voir. Et ils ont fait, il y a six épisodes, il y en a un sur la Vierona, par exemple. Où là, c'est sur. Finalement, c'est la Vierona, mais on parle plus du Rhône que de la Vierona. Ouais. Et à travers le rendez-vous avec le Rhône, comment la Vierona devient un outil finalement touristique, sans être
dit comme ça. Ouais. Voilà. C'est moins le produit touristique Vierona C'est que ça. l'environnement dans lequel on la Vierona, ouais, le Rhône quoi, C'est ça. Qui est le cœur de tout ça. Moi, j'ai un deuxième podcast que j'avais écouté aussi, qui est un podcast un peu de marque, donc qui avait été produit par Binge Audio et qui est en fait, à mon avis, hein, financé, sponsorisé, financé par sans doute un groupement de producteurs ou ceux qui s'occupent de la AOC Côte-du-Rhône. Donc ce podcast, il s'appelle Sous la robe et j'avais écouté quelques épisodes. L'idée, c'était vraiment de changer l'image un peu du vin Côte-du-Rhône, du vin traditionnel un peu qu'on va accompagner avec des plats traditionnels, dans des repas traditionnels, et d'avoir une image un peu plus moderne, et notamment via l'interview de producteurs qui sont plutôt jeunes, qui ont une approche un peu différente, qui travaillent un peu sur du bio, etc. Et il y avait ce contenu de marque qui était vraiment fait par des professionnels, mais qui donnait à regarder finalement le vin sous un autre regard, quoi. Plus côté territoire, histoire humaine aussi. À chaque fois, c'était des personnes qui souvent avaient changé de vie, qui s'étaient installées pour devenir producteurs, qui avaient repris une affaire familiale. Donc, ça a humanisé un petit peu. Ce n'est pas juste une bouteille qu'on essaye de nous vendre. Au contraire, pas du tout. On essaye de faire changer l'image d'un vin, mais aussi à travers ceux qui le font et qui le racontent. C'était très, très bien raconté. Je crois que ça correspond pile poil à ce que tu disais. Il me semble que c'était en 6 ou 7 épisodes. Donc, vraiment du contenu de marque. Et voilà, ça peut être assez inspirant également pour imaginer des podcasts de marque. Voilà, donc du coup, pour faire ça, vous pouvez le faire peut-être vous-même, mais plutôt le conseil, c'est de passer par des pros quand même. Il y a des pros qui existent, il y en a même sur le territoire, il y en a qui viennent de s'installer sur le territoire, qui font ça pour des grands comptes partout en France, et qui peuvent aussi être des prestataires de conseils aussi, mais aussi de réalisation. Technique sur l'enregistrement, le montage et la diffusion. Pareil sur la partie des pros, donc là des prestataires qui sont installés, vous avez aussi peut-être pas mal de radios locales aussi sur vos territoires. Dans la Drôme, il y en a pas mal, donc ça peut être aussi des gens qui sont là, ils ont les studios, ils ont l'habitude de faire les enregistrements, qui peuvent peut-être aussi vous accompagner dans le cadre d'un partenariat pour construire votre podcast et surtout avoir un enregistrement de qualité. Eux, ils ont l'habitude de gérer ce type d'outils, donc voilà, les radios associatives locales peuvent être aussi une bonne ressource. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors j'ai mis YouTube, c'est pas pour dire que YouTube est en lien avec podcast, mais c'est juste pour dire que cet enregistrement est diffusé sur la chaîne YouTube du Moulin Digital. C'est vrai que nous on parle de podcast sur YouTube en vidéo, donc voilà. Il y a un truc un petit peu bizarre. Une boucle un peu bizarre. On n'en a jamais fait, peut-être que... On n'en a jamais réalisé pour l'instant. Pour l'instant, peut-être qu'un jour ça pourrait être quelque chose. On a souvent des choses très visuelles, on fait des démonstrations, etc. Mais des moments sur certaines interviews, sur certains sujets, pourquoi pas, ça peut être quelque chose. Je ne pense pas qu'on fera des podcasts à 300 épisodes, mais peut-être qu'un jour, une petite série sur un sujet particulier, pourquoi pas. Mais voilà, nous aussi, on est un peu des consommateurs, mais on est des néophytes dans la production de podcasts. Pour préparer cette petite session, moi, j'ai fait un peu le tour dans l'équipe là, de qui utilisait des podcasts. On utilise tous des... On consomme tous des podcasts. Ouais. Je pense que c'est une tendance forte, donc peut-être qu'on va en faire nous aussi. En tout cas, merci à tous ceux qui sont présents. N'hésitez pas à nous raconter, on mettra la vidéo sur YouTube du coup en commentaire. Si vous avez des podcasts recommander, exactement. Notamment des podcasts sur des destinations touristiques, parce que l'objet c'est vraiment vous parler tourisme, et vous nous les mettrez en commentaire parce qu'on aime bien en découvrir aussi. On a celui de la Drôme, de Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, mais s'il y en a d'autres. Je pense que j'ai essayé de regarder un petit peu au niveau des blogueurs voyage, mais il y a l'Occitanie aussi qui a fait du travail là-dessus. Peut-être certains podcasts, voilà. Donc comme ça, vous pouvez les partager en commentaire de cette vidéo pour découvrir ensemble des podcasts qui peuvent être inspirants sur ce que vous avez envie de faire plus tard, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Xavier, et à très bientôt. À très bientôt. Pour une session sur Évasion Digitale qui se renouvelle tous les mois jusqu'à la fin de l'année. C'est Wikipédia la prochaine ? C'est Wikipédia dans le tourisme. Wikipédia dans le tourisme, donc on verra un petit peu le rôle de cette encyclopédie libre et en quoi elle contribue à l'attractivité des territoires. À bientôt. Merci, au revoir.